Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Watch Dogs 2. Donc, comme je l'ai dit dans les précédents épisodes, chers amis, dans la précédente vidéo, j'ai supprimé la texture HD, là, le fameux pack de texture HD de Steam. Et déjà d'une, visuellement, je ne vois pas de différence. Et j'ai l'impression qu'en termes de... Non, ça va peut-être légèrement mieux, je ne sais pas. Ça a l'air d'être légèrement mieux en termes d'optimisation, mais apparemment, même avec des gens qui ont alors, j'ai une très très bonne configuration. Mais apparemment, des gens qui ont des trucs encore plus fous m'ont dit que, même avec le pack de textures, ils n'arrivaient pas à faire tourner le jeu. Et en plus, on a pu voir que Ghost Recon était bien plus beau que ce jeu. Donc bon, je me pose des questions. Le monde est à Kenou. D'accord, retrouvez Ray sur la plage. On y va. Ça y est. Ok, on y va. C'est parti, mon kiki. KHC, Patron Smile a quitté la session si tu veux. Hein, tu coupes la session si tu veux, je te force pas. D'ailleurs, on va aller ici. Histoire d'aller plus vite, chers amis, de gagner du temps. Nous allons essayer de maximiser le nombre de missions. De missions principales que nous allons faire pour essayer d'arriver à la fin du jeu. Sachez que si je n'arrive pas à atteindre la fin du jeu à la sortie de Ghost Recon. Comme Ghost Recon malheureusement me sera, enfin heureusement et malheureusement plutôt, me sera donné par... est-ce que c'est encore... Non, je crois que j'en avais déjà vu des trucs comme ça, non? Bon, profitez-en les filles, il y a un beau gosse qui vous regarde. Tu nettoies quoi comme bagnole? La bagnole elle est plus là. Enfin bon, c'est pas grave. Oui, donc si le jeu sort, si Ghost Recon sort avant la fin. Non mais. Cours toujours, hein. C'est un peu ça que je suis en train de te dire. Hein. Enfin bon, oui, donc si Ghost Recon sort avant la fin de l'histoire de Watch Dogs 2, je mettrai peut-être en parenthèse l'histoire de Watch Dogs et je reverrai le moment venu. Ok, hop. Hop. Ok, on est bon. Parfait. oui, donc voilà. Bon, on reviendra peut-être dessus ensuite, hein, mais ne vous inquiétez pas. On gérera l'histoire. Ok, Ray. Mon cher Ray. Hop. Nous devons parler. Nous devons parler, Ray. Ils ont puni Wrench. Ils ont tué Horatio. On doit passer à une vitesse supérieure. On attend. On attend? Mais qu'est-ce qu'on attend? On attend quoi? Oh putain. Il se passe quelque chose, mais mon timing est pourri, alors... Ah! C'est une fusée de Galilée, et alors? Alors, bah, cette fusée Galilée, c'est la numéro 4. Et les satellites qu'elle transporte, ils sont tous à Bloom. D'accord. Non, t'es sérieux là? Intéressant du coup. Hein? Avec ces satellites, il y a un max de données auxquelles on n'aura plus accès. C'est passé au niveau supérieur, mon pote. T'avais envie de leur mettre une droite dans la gueule, et là... Là, on leur claque le genou dans les boules. Toi, tu penses qu'on pourrait placer un petit quelque chose sur leur prochaine fusée et les laisser les mettre en orbite? D'accord, ça me plaît. Je suis vintage, baby. C'est bon ça. Grosso modo, si on... alors comment ça s'appelle le terme? Si on corrompt un de leurs satellites ou une de leurs fusées entières, hein, donc c'est-à-dire tous les... Dépêche. On pourra... les niquer. Mais merde! Putain, mais il avance pas! Je sprinte même pas. Allez, monte. Monte.
Tu remarqueras que mon SUV a disparu, hein. Je veux pas dire, mais... Bon, allons-y. Allons-y, allons-y. Crac. Donc si on corrompt, voilà, un de leurs... Dépose-moi au hackerspace, je vais regarder ce qu'on a sur... Je suis juste à côté, pourquoi on est sur le canal dans l'immeuble. Si ça marche, on aura accès au parc de serveurs de Bloom et à toutes les données pièces qu'ils contiennent. Ah ouais. Comme Bloom, ça doit avoir des parcs de serveurs dans tout le pays. Avec un peu de chance, on pourra utiliser celui auquel on aura accédé pour trouver les autres. Ouais, je vois. Trop longtemps qu'on rame pour suivre la Silicon Valley. J'ai vraiment hâte que DedSec soit au même niveau. Malgré tout ce qu'on a fait. Ah bah là, ça va être le cas. Exactement hein. Ce que Dushan prépare. Vous croyez qu'on va trouver des photos de sa bite? Dis donc, c'est quoi? Oh. T'as écouté tout ce qu'on disait, Citara? Si on arrive à mettre la main sur une photo de la bite à Dushan, on aura l'avantage ultime. Ouais. Surtout si elle est toute petite ou qu'elle a des verrues. Parce que si elle est grosse, vous l'avez dans le cul, hein. Avec la tronche qu'il a, je suis sûr qu'il se taille les poils. Putain, je pensais qu'il allait tourner. Il se fait le maillot. Oh. Hipster Beat, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Salut, je suis Hipster Beat. Je mets que des capotes slim. Ah. Oh. J'étais déjà circoncis avant que ce soit cool de l'être. Oh les cons. Ok, ok les gars, c'est bon. On a mis Papy en colère. Hop. Mais non, y a pas de blessé. Dans ta tête. Hop. Oui, bah, moi je m'épile pas, mais je me rase un minimum. Enfin, y a du savoir-vivre, je laisse pas les poils pousser, c'est pas la forêt amazonienne, pardon. Moi et une de tes puces clipper magiques. Magique, ouais. Et pour la puce clipper? Je t'emmerde. Voilà. Tu pensais arriver aussi loin un jour? Franchement, je pensais même pas qu'aussi loin c'était possible. C'est bon ça. Ça dépasse toutes tes espérances. C'était pas prévu ça. C'est un hackerspace ça? Étonnant. Ça me dérange pas hein. Puis-je entrer? S'il vous plaît. Bonjour. Tu sais, Ray, il faut que je te dise un truc. J'ai toujours kiffé les fusées. J'adorais ça quand j'étais gamin. Sympa. T'excites pas trop, va. Vu les mesures de sécurité mises en place par Galilée pour protéger sa propriété intellectuelle, une connerie et tu vas avoir de gros problèmes. Oui, sans doute. Bonjour, madame. Oh, mais je te connais. Dis-moi ce qu'il va falloir que je fasse. Par contre, si elle est à côté des trucs de change, je vais me changer à côté d'elle. Je suis en train de télécharger un plan de l'immeuble, là. Dis-moi quand tu seras arrivé sur place. Hé, hey, Marcus. Tu veux que je te chante quelque chose pour le trajet? Ah ouais! Autoradio Orange. Mais merci pour la proposition. Non, toi, chante! Simone, tu veux pas que je te chante une chanson de pirate? Marcus, tu peux... Yo ho ho! Ouais, une bouteille de rhum. Mais on n'est pas en voiture, hein. Et calmez-vous, hein, je suis pas encore dans la caisse. Mais la mission est... On est déjà... La mission est déjà verrouillée? Parce que si c'est le cas, moi, ça... Enfin, ça va aller très très vite, hein. Sélectionner, voir sur la carte. Boum! 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 Tant pis, téléportation! Ça veut pas, et quand ça veut pas, ça veut pas! Bon! Ah non, je veux pas acheter des choses, hein! T-Bone, c'est bon, j'y suis. J'ai le plan de l'immeuble sous les yeux, mais cool. Je vois rien de là où t'es. Je peux te connecter au système de surveillance? Oui! Il y a un checkpoint qui mène à l'immeuble. Le réseau de caméras passe par là. Je vais voir ce que je peux faire. Caméra ? Ok. Non, je dis juste que... Il se passe que la course se poursuivra. Vous avez été tiré au sort. La tension monte à l'approche des élections qui se tiendront le mois prochain. Malgré de nouveaux candidats très intéressants, l'actuel membre du Congrès, Mark Truss, est largement donné vainqueur. Les sondages en ligne largement ont indiqué qu'il gardera son siège avec une majorité écrasante. D'accord. Ok. Ok. C'est énorme. On a réussi à foutre le bordel entre Bloom et le FBI. Pour le ah merde, FBI, je me suis trompé. Pardon. Des gens, c'est super important. Maintenant que les fédéraux sont mêlés à l'affaire Dushan, à chaque fois que l'autre comprend un coup, le FBI mange aussi. Ouais, et ils savent qu'on okay. va continuer à frapper. Tu crois que le FBI va faire machine arrière? Je sais pas. Bah j'espère bien. Ok.
Ils en font un troisième. Donc celui-là, ce sera ça. Non, celui-là, ce sera ça. Pardon. Et au-dessus, il va me falloir un truc qui envoie dans ce rayon-là. T'es drôle, toi. Je peux absolument pas... Ah si, c'est bon. Ok, là, ça m'envoie là. Et là, c'est fini, papy. Hop là. Merci. Puis-je entrer ? Bonjour. C'est moi. C'est Marcus. J'ai mon bonnet. J'ai ma petite veste. J'ai mon slim. Tout va bien. Tout va parfaitement bien. Ok. What ? Je vois. C'est un miracle, Marcus. Ouais, bien joué. Super. Tu peux me couvrir alors ? T'inquiète, je te couvre en haut, en bas. À gauche, à droite, cette soirée là. Non ? Modifier la carte mère de ce truc. Bienvenue chez Galilei. Bon, faut que t'ailles dans la salle stérile. Elle est pleine d'équipements fragiles et l'environnement est contrôlé. Alors, essaie de pas laisser d'empreintes si tu peux. Y'a quoi dans la salle stérile ? La puce que je t'ai filée sert à rien sans carte mère. Et à en croire ce rapport, c'est là qu'il stocke le genre dont on a besoin. Et donc je vais rentrer dans le truc comme si de rien n'était. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, vous êtes comme ça, vous les mecs. Hey, t'es bourré ou quoi ? Ouais, un peu, mais c'est pas grave. Tu t'es lavé dans une fosse sceptique ou quoi ? Je pue ? Il vient de me dire que je pue ? Bon, oui, je cherche un autre endroit pour passer, chers amis, parce que j'ai des doutes. Passer par l'entrée principale, je le sens pas. Il m'aurait fallu un vélo. Shut your fucking face, Uncle Fucker. You got a shut your fucking face, Uncle Fucker. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour que ce soit interdit d'y aller? Oh! Oh! Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, rapport aux ordinateurs. Bah, aujourd'hui, les traders utilisent leurs ordinateurs pour analyser l'électricité et acheter ou vendre en quelques millisecondes. C'est n'importe quoi. C'est comme ça. Ok! Ah non, c'est juste un. Bon, je vais aller chercher, je pensais que c'était. Honnêtement, je pensais que ça allait être un passage pour rentrer dans le truc. Non mais franchement! Ah, c'est carrément mignon. Faut pas grimper moi là. Oh non. Bon, rappel. Tu veux bien Tu veux bien venir là-bas, s'il te plaît ? Merde, non, je voulais rentrer, moi. Tout va bien. Je viens juste d'assassiner des gens devant vous. Tout va bien. Va bien. Par contre, j'aimerais bien savoir comment je rentre dans la zone. Ah. Merci. Il suffisait d'attendre qu'on m'ouvre la porte. Tout bêtement. Tu veux bien ranger ton canon, s'il te plaît ? Merci. Crac. Oui, je suis parti. Je suis plus là. Et vous êtes tous morts! Ok. Qu'est-ce que ça m'offre? D'accord. Ok, Galilei. Ah! Voilà exactement ce que je cherchais, vous voyez? Juste devant. Ah, par contre, oui. Maintenant, je vais être coincé.
chercher une, littéralement une rambarde pour rentrer, hein, tout simplement. Hein. Et là, j'ai un petit tunnel, enfin un petit passage pour rentrer tranquillement, par derrière, comme tout homme censé aime le faire. Non, ouvre la porte. Ouvre la porte. Merci. Ok, bon, par contre, ça implique d'être sous la pluie, dehors, bien habillé et avec un bonnet. Donc, je peux comprendre que, oui, dans un sens, ça donne pas envie à tout le monde. C'est ouvert ? Non. C'est ouvert ? Non. T'es ouvert ? Ouais, finalement, je commence à me demander si j'ai fait le bon choix. Parce que si je peux pas rentrer là-dedans, ça revient même. Il semblerait que je ne puisse pas. Bon, donc il faut que je revienne. What? Et tu te dis pas que... Ah, ils ont repop. Parce que voilà. Bonjour monsieur. Je pourrais vous faire un petit coup de corps à corps. J'en ai pas envie. Boum! Boum! Regardez celui-là, boum! Je fous le bordel, moi! Je suis pas un gentil! On m'avait dit de slalomer, j'ai pas réussi. On m'a dit de suivre la ligne jaune, j'ai pas réussi non plus. Ok, bon. Permettez-vous que je vous scanne? Je vous assure que c'est sans danger. Séquence vestibot initialisée. Y'a plus personne ? Veuillez m'excuser, mais il faut que je bouge. Mais parfait. Ok, je suis dedans. Oh, la classe ! T'excites pas trop, Marcus. L'immeuble est truffé de lasers et de types armés, alors t'as intérêt à faire gaffe. Fusée! Fusée! Non? Si, fusée. Je vais me mettre là. En espérant que personne me voit. Ça, c'est un fichier audio. Cherche la clé de sécurité. L'espace. Arrêter. Voilà, merci. On me demande souvent pourquoi je Ferme ta gueule. Bon, le problème, c'est que j'ai pas encore trouvé la personne qui a accès à la clé de sécurité. Et pour être honnête, ça m'embête. Je dirais même que ça m'embête énormément. Pirater. Attendez, c'est ici? Cette personne est ici? Ok. Et voilà, j'ai accès à tout. Tu veux bien, merci. Non, j'ai pas accès à tout. Si, j'ai accès à tout. J'ai accès à absolument tout. Tout partout. Ok.
Je pense qu'en passant par le haut, je serai tranquille. En tout cas, c'est ce qu'il semblerait. Je vais tout de même sortir mon arme. Abattre le mec qui est en haut. C'est par principe, hein. Ça va, merci, et toi? Merde. Alors, t'aimes ton nouveau jouet? T'as pas idée. Ah, et c'est vrai que tu regardes tout ce que je fais. C'est trop bizarre. Je vous regarde, toi et les gardes du rez-de-chaussée. Et le palan pourrait peut-être t'aider à les éviter. Hey, ça va ? Tout va bien. Je poursuis la patrouille. Le fonctionnement de mes systèmes est optimal. Tous les systèmes sont opérationnels. Ça va. Bip bip bloop. Mais t'es sérieux, bonhomme? Enfin bon, c'est pas grave. Allons-y. Personne ne me voit. Personne ne m'entend. Personne ne sait que je suis là. On baisse, pas trop. J'exécute des tâches de routine. Ouais, ça va. Wow. Statut RAS. Comment ça va? Trouver le terminal par feu? What? D'accord. Oui, j'ai bien entendu, t'inquiète pas. Hop, allons-y. Hop. Désolé, gamin. Mais il va falloir non, il est en dessous. Que tu ailles toi-même ce coup-ci. Quoi? Pourquoi tu me dis ça? Ouais, mais je sais bien qu'il va falloir... Il est flippant, hein. Bien joué. Alors, où est-ce qu'il planque? Ok, c'est parti. T'inquiète, je m'en occupe. En voilà une. Ok, j'ai plus de sang dans les bras. Ouais, c'est bon. Ok, on est bon. On est bon, on est bon. Je regarde juste avant qu'il parle. Okay, il parle. T'as plus qu'à installer ma puce magique, pas Clipper dans ces. C'est prêt. La bécane va pas pouvoir tenir sur un endroit pareil. Merde, si seulement on avait quelqu'un sur place qui sache utiliser ses mains. Gna gna gna. Ok, je regarde où sont les chers amis dans l'épisode. On est à 23 minutes. Il faut que je fasse quoi? Dis-moi pas qu'il faut que je me rende en bas. Non, faut que je me rende plus haut. Génial. Pile poil ce que j'avais prévu. Hop. As-tu bien te couper, motherfucker? Opérationnel. Hop! Shut your fucking face, Uncle Fucker! You gotta shut your fucking face, Uncle Fucker! Plus personne ne me voit! Je suis un vrai ninja! M'avait emmené au musée de l'air et de l'espace. Oh! J'avais genre 10 ans! Mais c'était. On a de la chance. Tout ce qui est fusée et dinosaures, laisse tomber! Tu peux pas faire mieux! Je. Bah. Enfin, je veux pas dire, mais 80% de mes séries, c'est des, c'est de l'espace, donc je peux pas m'opposer à ce qu'il vient de dire. Ok, on est bon.
Bah, je crois qu'on a trouvé son point faible. J'en sais rien, mais on a réussi. Hey Ray, tu crois que je peux mettre expert en fusée sur mon CV? Ah oui! Attends, j'ai une gueule de conseiller d'orientation. Et boum! Ça, c'est de la répartie! Ok. Salut! Je la garde, sait-on jamais. Boum. Ok. C'est fait. La suite. Quittez Galilée. Voilà, c'est super. Tire-toi maintenant. Ok. Naturellement, le paradoxe de Fermi s'applique à ce type d'expédition interplanétaire bien trop optimiste. Parce que... même si les aliens existent, je suis convaincu qu'ils n'ont aucune envie de nous rencontrer. Ils sont vraisemblablement si avancés que nos plus grandes découvertes scientifiques et technologiques peuvent être l'équivalent, je sais pas moi, l'équivalent de... tiens, de leurs jouets pour enfants. Honnêtement, je pense qu'on surestime totalement nos propres gadgets. Il a sans doute raison. Et vous n'avez rien vu, puisque selon vous, je n'ai jamais été sur place. J'ai abattu une seule personne, et ça m'embêterait presque d'avoir à le dire que je l'ai fait. Ah ! Oh, il y a ma... Oh, il y a des belles voitures ! Ah, je prends la grosse. Je prends la grosse voiture. J'ai envie. Hop, merci. Ok. On y va. C'est parti. Ah oui, c'est vrai. C'est la voiture qui a zéro endurance. Zéro adhérence. Bien, mon grand, j'ai un paquet de cookies pour toi. La fusée va pas décoller d'ici un moment. On t'appellera pour le lancement. Cool, merci. Bon, bah, vu qu'elle est pétée. Ou pas. Ensuite, à lui, t'en fais ce que tu veux. Il est con. Sinon, j'ai menti pour les cookies. On n'aura pas de cookies. Tout le monde aura mangé des cookies, mais pas moi. C'est dégueulasse. Camion baril d'eau. Ok, bon. Attendre le prochain lancement de Galilée. C'est ça l'objectif de mission? Attendre? Bah, je peux pas mieux occuper mon temps, là, pour le coup, là. Vu ce que je fais... je vais quand même... Je vais quand même aller voir... Ah, c'est vraiment attendre. Ok. Mais c'est nul. Attendre, c'est nul. Hop. Bon, est-ce que selon vous, le jeu vous semble plus optimisé ou je sais pas Y'a un truc par là. Ok. Oh oui, j'avais déjà essayé de le prendre une fois, mais maintenant je peux le prendre. Allez, mon petit rouleur, hein, mon petit Roland, mon petit roller, mon petit rouleur, mon petit roulé. Bref, mon petit robot. Mon petit poney. Bref. Hop. Boum. Bim. Nous y sommes. Tombe pas, t'aurais l'air con. Tu veux bien, voilà, remontrer ta caméra, s'il te plaît, merci. Alors, coucou, c'est ici. J'aurais dû m'en douter, motherfucker. Shut your fucking face, uncle fucker. Ok. Des rumeurs semblent indiquer que les spécialistes de la Silicon Valley se préparent à une nouvelle attaque des hackers. D'accord. Ce groupe de hackers anonymes multiplie ses cibles afin de mettre au jour de nombreuses pratiques jugées illégales perpétrées par diverses sociétés et institutions. Ils ont attiré l'attention de nombreux citoyens qui soutiennent désormais les efforts de DedSec, mais pas nécessairement leur méthode. Ça, je savais pas.
Je savais pas qu'il prenait des dégâts de chute. Intéressant. Ok, bon bah écoutez. Cool. Voilà, on se met à peu près par là. Vu que c'est une voiture à Bloom. Enfin non, c'est pas à Bloom techniquement. C'est pas grave, ça revient au même. Une petite compacte, ça peut être sympa. Accéléras. Sion. Boom. Michael Bay. Presence. Ok, on est bon. Bon. Faut attendre. C'est qu'à secouer. San Francisco. Et donc je suis censé attendre combien de temps? 8 mois? 8 mois in-game? BOOM! Ah, je voulais retomber sur elle. Hop! Essaye d'avoir ton permis. Vous savez pas que c'est moi, hein? Vous n'avez pas de preuve que ce soit moi. Virage! J'aime bien, alors... En vrai, quand vous mettez un coup de frein à main, le moteur continue pas à augmenter, hein, en termes de régime. Hein. Ah. C'est un territoire de gang, ça. Haddock bosse avec eux, maintenant? Non. Haddock ferait pas ça. Comment tu le sais? Parce que l'inverse n'aurait aucun sens. C'est impossible. Au final, c'est peut-être plus compliqué que ça. Physique sucks. Bon. Eh ben écoutez, moi je vais faire un petit interlude entre les deux épisodes. Et puis on va se laisser là pour celui-ci tout simplement. Merci d'avoir laissé cette vidéo les amis. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop.